Donc, bonjour Emmanuel. Est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui. Bon, ton Je image, n'ai c'est plus un peu d'image. Je n'ai figé, mais plus bon. d'image. Moi, j'ai plus d'image du tout, hein. Donc. Je crois que ça mire, c'est l'enregistrement. C'est la mise en fonction de l'enregistrement qui fait qui crée ce dysfonctionnement. C'est bizarre, mais ça va. Ouais. Et Ça maintenant, va je t'ai à s'arranger. nouveau en image, mais flou. Oui, flou. Ouais, Voilà, mais tu vois, complètement flou. c'est en train de se mettre au point. Hein. Donc on attend un petit peu. De toute façon, je couperai ce passage. Hein. D'accord? On saura que dans les 40, dans les 50 secondes. Voilà. Est-ce que tu me vois mieux là? Ouais, et là c'est redevenu normal. C'est mieux. Voilà. Donc à 50 secondes, je couperai. 50 secondes. OK. Donc, bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire une enquête sur Bruno Gröning, ce fameux personnage qui en 1900, autour de 1949, s'est illustré en Westphalie. Voilà, c'est un guérisseur apparemment miraculeux qui a fait beaucoup parler de lui. Il a guéri des milliers de personnes, donc simplement à son contact ou simplement en étant sur son balcon et de nombreux gens se trouvaient guéris. Et j'avais envie d'en savoir un peu plus de ce qui se passait à ce moment-là, de comment cela pouvait se produire que des gens guérissent comme ça à distance, sans même être en contact direct avec lui. Donc voilà, nous allons donc expérimenter, nous allons investiguer donc sur ce thème. Est-ce que c'est bon pour toi, Oui, Emmanuel? c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, puisque les choses sont posées, nous allons d'abord commencer à faire l'induction. Bien sûr que je ne partage pas, hein, donc je vais couper. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers moi. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Oui. Comment me vois-tu? Entouré d'une sorte de halo doré. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ben, tout simplement toi, entouré de ce halo doré. Juste pour vérifier. Regarde d'où vient ce halo doré, cherche-en l'origine. Il fait partie de toi. C'est une D'accord. expansion de toi-même, en fait. Ok. Alors, très bien. Alors maintenant, tu sais que nous allons faire une investigation sur Bruno Gröning. Oui. Et je veux maintenant que ton esprit t'amène justement à ce personnage au moment où il exerce cette activité, ces phénomènes de guérison. Ton esprit t'amène à ce moment-là. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. C'est une antenne. Une antenne. En fait, il est devant une foule de gens et lui-même est une antenne. Il y a une Oui. sorte de comme de courant. L'atmosphère est spéciale. C'est comme si l'atmosphère avait changé dans un espace déterminé dont lui maintient la clé. C'est-à-dire que de son corps physique, à la fois entre
et sortent comme des flux d'énergie qui viennent s'étendre autour et dans l'atmosphère comme une sorte de bulle, là où se trouvent tous les gens. Et c'est lui-même qui est l'entrée et la fermeture de cette bulle. D'accord. Ok. Alors, avant d'aller plus loin dans cette investigation, nous allons d'abord procéder à tes connexions et à tes protections. D'accord? Oui. Ok. Alors, nous allons y aller. Alors, maintenant que nous venons de faire les protections, les harmonisations et les connexions, je veux que tu me dises quelle est ta fréquence. 35. 35 000. Très bien. Alors vas-y, mets-toi la fréquence nécessaire. Donc j'arrive à 120. Très bien. À présent, connecte-toi à moi et on fait la même chose. Regarde à combien je suis. 35 aussi. Pareil. D'accord. Alors, je m'aligne à comme toi à 120. Si c'est correct pour moi. Oui, c'est bon. Parfait. Alors à présent, on revient à Bruno Gröning. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y ramène. 1, 2, 3. Tranquillement. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Alors j'y suis, donc ça me ramène à la scène de tout à l'heure. Oui. Où lui n'est pas très grand en fait, mais il est traversé par quelque chose qui le dépasse. Il est comme un interrupteur électrique qui a la capacité de s'allumer et de s'éteindre. Et quand il allume son propre interrupteur électrique, qui est en fait son propre corps, ça laisse entrer ces sortes de fréquence, ça laisse passer cette fréquence très particulière qui crée cette atmosphère très particulière dans l'espace où il est et qui recouvre, qui vient englober en fait toutes les personnes qui sont venues le voir. D'accord. Ok. En fait, lui-même n'est pas cette fréquence. Il la laisse passer. D'accord, il en est un récepteur, donc une antenne, comme tu as dit au début. C'est ça, c'est ça. De cette séance. Regarde, regarde déjà Bruno Gröning au niveau de sa biologie, de sa constitution. Si tu le compares à un humain lambda, est-ce que tu vois une différence qui peut expliquer qu'il ait cette antenne et pas les autres? Il n'a pas les couches disposées de la même façon que les autres humains. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il a alors? Tu parles des couches d'aura, bien sûr. Hein, oui, des couches, des corps subtils, c'est pas disposé de la même façon. Et même au niveau de la structure du corps physique, il y a des différences, en fait. Oui. C'est même comme si, d'un point de vue biologique, il n'était pas tout à fait construit que les autres êtres humains. Il y a des petites différences qui permettent en fait le passage de cette fréquence. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a par exemple comme différence dans sa structure physique? Qu'est-ce que tu vois par rapport à un humain normal? Enfin, dit normal. Je vois la surface du corps physique ou l'espace que remplit le corps physique qui est assez étroit. Cette bande physique
fréquentielle est assez étroite pour laisser la place à des bandes fréquentielles beaucoup plus larges pour les autres corps subtils. D'accord. Alors, ça crée à la fois une fragilité dans son corps physique et à la fois une force, parce que c'est ça qui permet le passage de cette fréquence là. D'accord. C'est comme s'il s'était en quelque sorte creusé lui-même en totale acceptation de recevoir cette fréquence là. Donc il s'est comme creusé lui-même pour laisser le passage en lui-même de cette fréquence. D'accord. Alors, lorsque tu dis qu'il s'est creusé lui-même, est-ce que ça veut dire qu'à sa naissance, il n'avait pas cette constitution? C'est quelque chose qu'il a créé lui-même au fil de son évolution? Si tu vas à sa naissance ou étant enfant, est-ce que tu vois ce même genre de structure physique? Il y avait déjà la structure physique, mais elle n'était pas activée. Pour faire une analogie, c'est comme un bloc de pâte à modeler dont tu sais qu'il peut avoir la capacité de prendre telle ou telle forme. Eh bien, ce bloc de pâte à modeler était déjà présent, mais il s'est modelé au fur et à mesure des années. D'accord. Et si tu le fais grandir, vers quel âge est-ce qu'il a commencé à modeler cette structure? Ça a commencé déjà vers 7, 8 ans, à mettre des choses en place, et puis ensuite vers 14, 15 ans, après un autre palier vers 17, 18 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait exactement pour que ça se mette en place? C'était quoi sa méthode? C'est même pas lui-même qui mettait en place consciemment. Je veux dire par là qu'il n'avait pas le même. Il n'avait pas le même niveau de conscience que les humains qui étaient autour de lui. Mmh. Donc, il procédait lui-même à la mise en route de quelque chose de son corps. Avec une sorte de conscience de lui-même, mais issue d'ailleurs. C'est comme s'il s'était projeté lui-même dans le monde physique. Et qu'il se pilotait lui-même, son corps physique, d'un autre espace. À partir d'un plan subtil, tu veux dire? Oui, d'un autre plan subtil. Mais c'est lui-même qui pilote ça, en fait, mais à un autre niveau. Oui, une partie de son essence, quoi. Oui. Une partie multidimensionnelle de son essence. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu penses à son âme? Est-ce que tu penses à son élément mental? Ou est-ce que tu penses à son soi supérieur? Quelle est cette partie de lui, en fait, qui pilote cette personnalité incarnée dans le corps? On pourrait dire que c'est le moi supérieur, mais il n'est pas de la même essence que les autres êtres humains. Donc, c'est compliqué de faire des analogies. D'accord. Il est descendu jusqu'au plan terrestre, mais en même temps, il garde sa propre spécificité. Il est descendu parmi les humains dans le monde physique. D'accord. Ben, j'aimerais que tu le rejoignes au moment où il décide de venir sur Terre.
Je le perçois en tant que conscience très évoluée. Est-ce qu'il est conscient de ta présence? Si je me rapproche de lui, oui. Vas-y, rapproche-toi de lui et présente-toi à lui. Il me sourit. Avant tout, est-ce que tu veux bien vérifier son essence, son ADN éthérique, sa structure informationnelle, et dis-moi s'il s'agit bien de lui. Ah oui, c'est lui. Très bien. Donc, il te sourit. Je ressens en fait un sentiment de grand calme et sérénité. Parce que c'est ce qu'il est, calme et sérénité. D'accord. Alors, demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. Il sait que nous venons observer et tenter de comprendre. Est-ce qu'il accepte de nous aider dans ce sens? Oui, il se laisse observer. Très bien. Est-ce que tu peux lui demander quelle est son intention du fait d'aller s'incarner sur Terre? C'est quoi son but? Quel est son objectif? De donner comme un coup de pouce ou d'accélérateur à l'humanité qui est un petit peu en quelque chose comme à la traîne. Donc, il est venu donner un coup de pouce, un coup d'accélérateur. D'accord. Et alors, de là où il est, donc il n'est pas encore incarné, comment est-ce qu'il compte s'y prendre? Il m'indique que c'est très simple. C'est comme un toboggan fréquentiel qu'il suffit d'emprunter. Parce que les fréquences terrestres sont comme une sorte d'aimant. Et dès qu'on commence à prendre le tunnel fréquentiel, on est comme aspiré. Donc c'est très simple. Très bien. Alors, comme tout humain qui vient s'incarner, nous savons qu'il y a cette fameuse grille électromagnétique qui capte les âmes et qui les parasite. Est-ce que lui a été capté par cette grille électromagnétique? Non, il est venu en direct. Comment est-ce qu'il s'y est pris pour aller en direct, ne pas passer par cette grille qui apparemment est dans le passage? Mais il est sur un autre plan, donc il n'est même pas touché en fait par la grille. D'accord, la fréquence de la grille ne l'atteint pas, quoi, c'est ça? Non. Il est sur une fréquence supérieure. C'est comme elle est si là, elle n'existait elle pas. Est là, voilà, pour lui, elle n'existe pas. D'accord. Pourtant, okay. Je regarde, elle est bien là, cette grille, mais pour lui, elle n'existe pas. Il est dans une fréquence tellement supérieure que cette grille n'existe pas pour lui, c'est ça? C'est ça. Très bien. Alors, avant d'aller dans l'incarnation, regarde d'où il vient, lui. Quelle est son origine? Tu me dis qu'il n'est pas... Et son soi supérieur n'est pas issu de la même énergie que les humains. D'où est-ce qu'il origine? En fait, quand je m'approche de lui, il me transmet de l'amour et de la bienveillance. Et il m'emmène assez haut, en fait. Donc, son origine. Est-ce qu'il vient d'une planète ou d'une autre sphère?
Il m'amène jusqu'à une sorte de sphère qui ne fait pas partie du monde terrestre. Et de cette sphère-là, on peut contempler plusieurs mondes en même temps. Est-ce qu'il s'agit de notre univers à nous ou c'est dans un autre univers? C'est dans notre univers à nous. Il a choisi de rester dans notre univers à nous. D'accord, mais sur un autre plan fréquentiel, c'est ça? C'est ça. Et si tu regardes les dimensions, la dimension dans laquelle il est, il réside habituellement, il est en quelle dimension?72. 72e. D'accord. Et est-ce que de cet état-là, bon, il est intervenu sur Terre, mais est-ce qu'il intervient aussi sur d'autres planètes ou dans d'autres mondes? Oui, c'est possible. C'est possible ou il l'a déjà fait? Il l'a déjà fait, mais tout dépend de quelle matérialisation dans la matière tu parles. Bien sûr. C'est global. En fait, sa fonction ou son intention ou je dirais, sa raison d'être dans cette forme de vie, c'est quoi? Est-ce qu'il a une mission? Est-ce qu'il fait partie d'une structure hiérarchique, même si on sait qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce niveau-là? Mais qu'est-ce qu'il peut nous faire savoir dans ce sens? Il fait partie d'une sorte de groupe qui sont à la même fréquence et qui sont en soutien de matérialisation de vie des univers. D'accord. Et il a un nom, ce groupe? Non, il ne me donne pas de nom, il me donne juste l'information que j'ai dit, c'est tout. D'accord. Il fait partie d'une constellation d'étoiles, de je sais pas, ce qu'il vient, il viendrait des Pléiades ou enfin, etc. C'est au-delà de ça. Au-delà? D'accord. Il est vraiment dans une forme de vie énergétique, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. Sans structure, une conscience simplement. Oui. C'est ce qu'on peut dire? Avec une fréquence très très haute. D'accord. Donc là, on arrive au moment où il décide de s'incarner sur Terre. Donc il prend cette espèce de toboggan fréquentiel et il est dans le corps de ce fœtus dans le ventre de sa maman. Oui. Donc là, déjà, il a une biologie particulière. Oui, je vois déjà les couches organisées de cette façon particulière. Ces couches organisées de cette façon particulière, c'est lui qui les a placées ainsi ou c'est propre à sa nature intrinsèque? C'était nécessaire de les placer ainsi pour cette incarnation terrestre. Donc il les a organisés à sa façon alors. Oui. D'accord. Ok. Donc en étant, si on l'amène maintenant à l'âge adulte, où il est en plein, je veux dire, sacerdoce, qu'est-ce qu'il cherche à faire exactement? Bon, il guérit du monde, ok. On guérit plein de gens, mais ça amène à quoi exactement? Son travail n'est pas seulement de travailler sur le physique. Son travail consiste à rendre ou à donner ou à faire prendre conscience plutôt aux humains qu'ils ont la liberté en eux et le pouvoir en eux. Il est juste un médiateur, il est juste un relais. Une antenne. D'accord. Et lorsqu'il a guéri des milliers de gens comme ça, est-ce que il a le sentiment d'avoir atteint son objectif? Est-ce que les gens étant guéris, ils sont arrivés à cette forme de conclusion, de cette qualité de regard? Certains, oui, bah oui.
Oui. Parce qu'en fait, il transmet la connaissance à un certain niveau. Je vois les humains qui viennent le voir. Ils ont un certain niveau de conscience et une partie de lui s'adresse à eux, mais à un autre niveau de conscience dont ils ne sont pas conscients. Donc physiquement, le corps guérit, mais la guérison n'est pas que physique, parce que si elle n'était que physique, cela reviendrait, les dysfonctionnements reviendraient. Oui, ça ne servirait à rien. Exact. Très bien. Donc, les guérisons se font surtout au niveau des corps subtils, des parties subliminales de chacun, c'est ça? Oui, au niveau des corps subtils qui sont en amont de ce qui se passe dans le corps physique. Un peu comme Et ce que nous faisons en hypnose régressive. d'une certaine façon, mais lui était une antenne directe de ce type particulier de fréquence qui en Les gens étaient baignés dans cette fréquence-là et on ressentait les effets, même jusqu'au niveau physique. D'accord. Mais au niveau de la personnalité des gens, est-ce que quelque chose changeait pour eux également? Puisque les compréhensions étaient plutôt destinées aux parties subtiles, qui par voie de conséquence amenaient à des guérisons sur le plan biologique. Mais est-ce que les personnalités ont évolué également? Pour certaines, oui. Et pour celles qui n'ont pas voulu prendre ce chemin-là d'évolution, il est resté le souvenir de la guérison immédiate. Et ce souvenir-là fait comme une pierre blanche qui permet au conscient incarné de prendre conscience qu'il existe autre chose et de s'ouvrir, ça permet de s'ouvrir à cette autre chose. D'accord. Alors à présent, j'aimerais voir quand il opère une guérison, comme ça, sur une foule, sans même toucher les personnes à distance. Tu me dis qu'il les entoure d'un halo, d'une bulle, c'est ça? Ce n'est pas lui qui entoure d'un halo, ça se fait presque comme automatiquement. Lui est comme un interrupteur et suivant la position dans laquelle il le place, cela laisse passer ce type de fréquence ou pas. D'accord. Et l'interrupteur dont tu parles, c'est son intention, c'est ça? C'est une intention de guérir le monde? C'est à ce moment-là que ça déclenche le processus? C'est le cas, oui, d'une part, mais d'autre part, il le déclenche aussi avec le côté physique. C'est vraiment cette sorte d'interrupteur et cette organisation particulière de ses corps qui lui permet de supporter ce type de fréquence. Et quand il décide de laisser ouvert le passage, de le laisser passer à travers lui, cela crée comme cette bulle immense qui vient englober et traverser toutes les personnes qui sont venues le voir. Et lui-même est tout simplement dans une attitude d'ouverture pour laisser passer cette fréquence de guérison. Cette fréquence de guérison est une information. Très bien. Alors j'aimerais voir, prends une scène où justement cela se produit et je veux que tu ailles voir d'où vient cette énergie dont il est l'antenne. Regarde d'où elle vient. Suis son origine, arrive à sa source et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Elle vient de l'endroit d'où il vient, lui. D'accord.
Et lui-même, son corps physique a même du mal à la supporter, c'est à la limite du supportable. Il a accepté de descendre dans le monde physique avec cette énergie-là, ou plus exactement, puisqu'elle n'est pas transportable, il permet que son corps physique laisse passer cette énergie-là. La canalise, quoi. Oui. Et si je comprends bien, la biologie physique est à peine est à peine conçue pour supporter cette énergie, c'est ça? C'est ça. Ok, il l'a adapté avec en réorganisant ses corps subtils. Oui, c'est ça. D'accord. Et quand on voit que parfois il avait un goitre. Qu'est-ce qui se produisait quand il avait ce goitre? C'est le corps physique qui est à la limite du supportable. D'accord, trop d'énergie, trop forte, c'est ça? Oui, il est presque comme brûlé, mais ce que j'appelle brûlure, ce n'est pas la brûlure du feu. C'est une brûlure fréquentielle. D'accord. Ok. Et j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes sur Terre incarnées qui ont utilisé ce même genre d'énergie, cette même sorte de guérison? Pas forcément en utilisant les mêmes canaux, oui, et pas forcément en venant de la même Origine. dimension. D'accord. Est-ce que tu peux en citer deux, trois? Alors, il me vient Jésus. Ça, c'est celui qui me vient en premier. Il n'était pas de la même origine, Jésus. Pas du même plan, mais la finalité de guérison était la même. Il n'utilisait pas non plus la même énergie. C'est toujours la même énergie, mais à des fréquences différentes. D'accord. C'est une énergie très puissante, extrêmement pétillante, blanche, bleue, dorée. Tu Et parles de elle a celle de Jésus? plusieurs. Tu parles de celle de Jésus là, blanche, bleue, Oui. dorée? Et celle de Bruno, elle était comment? Elle est de même nature, mais de fréquences différentes. Mais elle se rattache, elle est de même nature quand même. Elle se rattache quand même à celle-ci. D'accord. Bleu, blanche, dorée. Et des sortes de pétillements. D'accord. Ok. Étincellement. Ça, c'est l'étincelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Mais les étincelles viennent en fait de la différence de fréquence avec l'origine et la manifestation dans ce monde physique. Mais ce ne sont pas des étincelles visibles au physique. Je les ressens plus que ce que je ne les vois. Et parmi ceux donc qui ont été des guérisseurs sur Terre comme Jésus et Bruno, qui vois-tu d'autre? J'en vois d'autres, mais je n'ai pas, j'ai pas les noms qui viennent. Non, c'est pas important. Ok. Est-ce que Jésus, si on vient sur Jésus, est-ce qu'il avait organisé ses corps de la même façon que Bruno pour supporter, canaliser et supporter cette énergie? Est-ce qu'il avait réalisé la même structure? Alors lui aussi avait une structure différente, mais différente encore de celle de
de Bruno encore différente, et les autres humains qui gravitaient autour de lui sentaient cette différence. Ça générait un sentiment de solitude. De solitude, tu veux dire pour qui? Pour Jésus? Oui. Il avait un sentiment de solitude? Oui. Comment est-ce qu'il peut avoir un sentiment de solitude s'il est connecté à son soi supérieur, s'il est connecté à son essence? Ne dit-on pas que lorsqu'on est connecté, on ne se sent plus seul? De solitude dans le monde des humains. Ah, par rapport aux humains? Ah, oui. Dû à la différence, tu veux dire? C'est ça. D'accord. Ok. Alors, si on revient à Bruno, au moment où il est devant ses foules, que cette énergie... Donc, il passe par son interrupteur intérieur qui guérit. Est-ce que cette énergie touche tout le monde dans ce groupe? Ça fait une sorte d'énergie pétillante qui vient pétiller dans les corps physiques des personnes qui sont là. Elles le ressentent même physiquement dans la colonne vertébrale. Est-ce que tout le monde est guéri, sans exception? Ou est-ce qu'il y en a qui guérissent plus que d'autres? Cette énergie est distribuée partout, à chacun, avec amour. Et tous ceux qui sont dans l'acceptation de la recevoir, la reçoivent. Mais d'accord, chacun bon. A son libre arbitre et il est possible de la refuser. Très bien. Donc c'est bien en lien avec l'intention. Ceux qui sont venus demander la reçoivent. Et oui, puisqu'ils sont ouverts. D'accord. Ok. Est-ce que cette fameuse énergie, des humains comme toi et moi, serions capables de la canaliser? Nous n'avons pas sa structure au niveau du corps. Il est possible de la canaliser, mais dans une moindre mesure, car la structure au niveau des corps n'est pas la même. Et oui, puisqu'elle a été préparée et organisée pour Bruno. D'accord. Donc, est-ce que Bruno, enfin, là où il est maintenant, puisqu'il est maintenant désincarné, où est-ce qu'il est à présent, en fait, maintenant qu'il a quitté son corps? Où est-ce que tu le vois? Il est retourné là d'où il venait. Oui. Et il est affairé à d'autres missions en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il est affairé à plusieurs choses en même temps, mais il a toujours un regard sur l'humanité. Est-ce qu'il a sentiment d'avoir... Oui. Et l'humanité vit comme une expansion. Et cette expansion qui est naturelle a quelque sorte aussi été boostée par son action. D'accord. Donc ça veut dire qu'il a le sentiment que sa mission a été accomplie, que ce qu'il a fait a eu un impact réel sur l'humanité. Oui, chaque personne qui a été guérie garde en elle cette mémoire de guérison sur plusieurs vies. Et cette mémoire impacte aussi les autres humains qui sont en contact avec cette personne guérie. Donc l'information de la guérison possible et du pouvoir de chacun. Cette information, elle grandit de façon exponentielle, elle se diffuse de façon exponentielle. Pour une personne guérie, c'est comme les branches d'un arbre qui se divisent en ramifications multiples.
Ce sont une infinité de personnes au cours de la même vie, autour de la personne guérie, plus même dans les incarnations suivantes, où cette information est transmise. Cela va bien au-delà. L'action va bien au-delà de la simple guérison sur un individu et à un moment donné. L'action est bien plus large. Il y a tout l'enseignement qui est contenu aussi avec. Et cet enseignement est pour l'humain de reprendre son pouvoir divin, d'en prendre conscience et de l'exprimer. Ça revient à l'enseignement de Jésus, c'est ça? De Maître Jésus? Oui. C'est exactement le même enseignement? Les termes sont différents parce que l'époque est différente, le niveau de conscience est différent, mais l'essence en est la même. D'accord. Et quelle proportion de l'humanité aujourd'hui il pense avoir touché, transformé par son action? Si on regarde aujourd'hui, en 2019, quelle ampleur ça a eu, quelle amplitude? Un pourcentage sur les humains? Il y a un foyer de prise de conscience au niveau de l'Europe, tout un secteur géographique qui a été touché de près comme un feu d'artifice. Et ce feu d'artifice de prise de conscience a été mis en place aussi à cette époque donnée et dans ce lieu donné comme contre-feu en quelque sorte de ce qui s'est passé à cette époque-là au niveau politique, guerre, prise de pouvoir. De cette époque difficile de l'histoire de l'humanité, tous ces éléments-là ont été aussi une occasion pour l'humain d'expandre sa conscience. Et lui est venu à cette époque-là, dans ce lieu-là, pour aider et pour contribuer à cette expansion de conscience, comme un feu d'artifice de lumière venu contrecarrer l'avancée de l'ombre. Donc là, nous sommes en 1949, la guerre est terminée, et c'est dans ce contexte qu'il arrive, pour réensemencer les esprits, c'est ça? Il est arrivé avant, pendant et après. Toute cette période-là qui a duré plusieurs années. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, quel pourcentage d'humains sont impactés par ce qu'il est venu apporter? Tout dépend de la zone géographique. Si on parle sur le plan global. Sur le plan de l'humanité. Son action a été intense et concentrée. Il est difficile de parler de pourcentage, c'est très inégal d'un endroit à l'autre. D'accord. Demander d'autres guérisseurs, il en vient un là
qui a eu Oui. ce même type d'action en feu d'artifice et concentré. C'est Maître Philippe de Lyon. Ah. Qui Il est a de la eu, même origine. il a eu le même type d'action. Il avait organisé son corps physique différemment, mais le même type d'action était à l'œuvre. D'accord. Est-ce qu'originellement il était apparenté à Jésus ou apparenté à Bruno ou il venait encore d'autres ailleurs, d'ailleurs? Ils travaillent tous avec le même type de fréquence, qui a cette même intensité et ces mêmes couleurs que décrites précédemment. D'accord. Et Maître Philippe a préparé ses corps, lui aussi, avant l'incarnation, Oui. en vue de d'œuvrer dans ce sens. Oui. Donc ça veut dire que pour un humain lambda, il n'est pas possible de canaliser cette énergie dans cette fréquence-là s'il n'a pas organisé son corps avant, c'est ça? Il y a plusieurs types d'humains sur Terre. Tous ressemblent extérieurement à des humains, mais plusieurs types coexistent. Ne faut pas D'accord. confondre leur enseignement avec la religion, c'est différent. Bien sûr. Ne pas faire l'amalgame. D'accord. Et on sait que parmi les humains, 70% sont des portails organiques. J'y reviens. Mais je trouve que c'est important. C'est un sujet qui m'intéresse. J'aimerais savoir, du point de vue de Bruno, qu'est-ce qu'il pense de ça, lui, de ces 70%? Est-ce que ce qu'il a fait a eu un impact sur aussi une partie de cette population? La fréquence qu'il laisse passer et qu'il appelle lumière transcende toute matière, y compris celle de ce que tu appelles les portails organiques. Mais on dit que les portails organiques ont peu de possibilités d'évolution puisqu'ils ne contiennent pas d'âme, pas de conscience propre. Qu'est-ce qu'il peut dire là-dessus? Cette fréquence-là, a le pouvoir de transfigurer toute matière qui porte en elle une étincelle d'âme. Les portails organiques qui n'ont pas d'étincelle d'âme ont cherché à le briser Ah. et se sont mis contre lui. D'accord. Ils font partie des forces de l'ombre, quoi. Oui. Évidemment. Tu ne peux pas être neutre. Il est impossible de rester neutre dans cette situation. Soit tu es avec cette force divine, christique, soit tu es contre. Donc, on est bien d'accord qu'il s'agit de l'énergie christique. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut dire que tous les êtres humains portent en eux cette énergie christique? Je Non, dirais pas au moins tous. dans. Enfin, à part les portails organiques, hein, je veux dire, pour les 30% qui restent, en sachant que. Chacun n'a pas les mêmes proportions de conscience. Est-ce que dans leur essence ou dans leur structure d'ADN, chacun porte, même si c'est en état latent, cette énergie christique? Oui. Ils la portent, mais certains en état latent seulement et sans en avoir la conscience, sans avoir conscience d'en être porteur. Bien sûr.
Et en prendre conscience est une des manières d'éveiller cette latence. Oui, cela permet de la faire s'exprimer et de la faire grandir. Très bien. Donc c'est bien sur la base de l'intention que l'activation se fait. Oui. Sur la base de l'intention, mais ça n'est pas suffisant. Il faut créer en soi l'alignement et l'état de recevoir, d'être prêt à recevoir. L'intention ne suffit pas. Est-ce que ça nécessite aussi une préparation du corps physique ? Ce que tu appelles préparation du corps physique, c'est l'alignement et la sensation de se connecter à soi-même. D'accord. Mais quand je parle de préparation du corps physique, je parle également de changer son alimentation, d'améliorer la qualité de l'obus. C'est pas utile ? L'alimentation n'a pas d'impact ? Elle peut en avoir, mais il s'agit de ne pas être en contradiction avec ses fréquences physiques. Chaque être humain a ses propres fréquences et le type d'alimentation qui lui correspond. Et là, ce que l'on peut appeler la flamme divine, elle se manifeste pour chacun. D'accord. Par exemple, pour être plus clair, une personne qui mange de la viande, qui s'alimente de cette façon, pour elle, cet éveil est possible ? Oui. D'accord. Et si j'ai bien compris, une personne qui serait végétarienne et qui mangerait de la viande, donc avec une forme de culpabilité, est-ce que pour celle-ci, ce sera des portes qui se fermeraient ? La culpabilité bloque les canaux. Voilà. Donc toute une question de croyance et de conscience. Oui. L'alimentation D'accord. est utilisée comme une arme par les forces de l'ombre pour détruire, mais aussi pour diviser, pour créer des clans qui se heurtent. Des clans qui se heurtent les uns aux autres pour créer des dissensions entre les différents groupes. Ceci est un piège. Il y a ceux qui prétendent se manger sain et qui vont juger ceux qui ne mangent pas sain. C'est ça, quelque part ? Oui. Avec un sentiment de supériorité, par exemple, ou d'être spécial par rapport aux autres. C'est ce qui fait partie cela de... crée du mépris de ces groupes les uns par rapport aux autres. Mépris d'un côté, culpabilité de l'autre, sentiment de supériorité. Toutes ces émotions, ces sentiments-là viennent bloquer les canaux de l'accès à soi. Bien sûr. On peut dire également qu'il y a des biologies qui sont adaptées pour le végétarisme et qui pour eux, pour elles, c'est juste. Oui, c'est ce que j'ai exprimé tôt. Oui. Bien sûr. Et qu'il n'y a pas à juger ceux qui mangent encore de la viande, qui pour eux, c'est encore juste également. Chaque biologie humaine est différente à sa raison d'être. Et tout est en mouvance. Il ne faut pas catégoriser
classer, mettre dans des cases. Tout peut changer. Ça n'a aucun sens. Les choses se font naturellement. La connexion à soi-même, la prise de conscience, l'état d'acceptation, d'accueil, de nouvelles fréquences génèrent de nouveaux besoins, de nouveaux comportements. Et cela se fait dans ce sens. Si le changement d'alimentation se fait en partant du corps physique, dans la force, cela ne marche pas. Cela doit être dans l'autre sens. Les changements sont d'abord dans le subtil et redescendent naturellement dans le physique. Très bien. Alors, est-ce qu'on en revient ? Ça revient à dire une des fameuses phrases de Jésus que j'aime bien, sans faire de religion, parce que il ne s'agit pas de religion pour moi. Une phrase que Jésus a dit, c'est que c'est pas ce qui rentre dans le corps qui est mauvais, c'est ce qui en sort. C'est-à-dire, c'est ce que l'on pense à propos de ce que l'on mange. Et est-ce que c'est ça qui est... Est-ce que ça illustre, en fait, ce qui est là exposé ? C'est en quelque sorte un commentaire de la situation. C'est-à-dire que si on pense qu'une chose est mauvaise, elle l'est. Tout est question de fréquence et d'alignement. Les humains cherchent des raisons qui n'en sont pas. Tout doit se faire naturellement. Quand le corps physique ressent un besoin, ce besoin a été créé et mis en place dans le subtil auparavant. Si des choses correctes sont mises en place dans le subtil, les besoins et envies du corps physique seront corrects. C'est tout simple. D'accord. Ça marche jamais... dans ce sens. J'aimerais savoir qui est-ce qui est en train de parler en ce moment. Qui est-ce qui est en train de s'exprimer ? Je suis branchée sur la fréquence de Bruno Gröning. C'est de cette fréquence-là que viennent les informations. Très bien. Est-ce que Bruno Gröning peut profiter de cette occasion pour exprimer des choses à notre humanité, à ce collectif humain ? Exprimer des choses qui pourraient être utiles. Est-ce qu'il peut profiter de cette occasion ? Il me transmet son amour et sa compassion, son infinie compassion pour l'humanité. Lui-même a accepté de descendre, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la quasi-dissolution de son corps physique dans la matière, qui n'était pas complètement adapté pour la matière brute, son corps physique. Au bout d'un moment, il n'a pas résisté. Mais lui est toujours là, en soutien. Il dit que la partie de guérison physique
qu'il a pu exprimer, qu'il a pu réaliser, ou plus exactement qui est passé par son canal physique, est en fait comme une graine germée qui est en train de pousser. Et l'arbre né de cette graine germée est toujours en train de s'expandre et de toucher de plus en plus d'êtres humains, de plus en plus loin. Et continuera encore à le faire au cours des générations humaines. Qu'est-ce qu'il peut dire de son point de vue, de là où il est, de l'emprise des forces de l'ombre qui sont encore très présentes sur Terre, avec des technologies, avec des pratiques et d'autres actions qui continuent de limiter les humains, de polluer la Terre, de nous toutes interpeller. Toutes ces actions-là agissent à un certain type de fréquence. Et l'être humain a la capacité de transcender ce type de fréquence et d'aller bien au-delà, de ne pas en être affecté, c'est possible. Très bien. Ok. Vivre à l'aise dans ce monde, en ayant les mêmes conditions et en étant au-dessus de ces conditions, c'est ça? En quelque sorte, encore ça, c'est une interprétation. Mmh. En allant au-delà, un nouveau monde se crée. Et l'ancien monde n'existe plus. On parle de la conscience de la cinquième dimension, c'est ça? En quelque sorte. Oui. En étant aligné à son être intérieur, son soi supérieur, son essence, et centré. Oui, c'est ça, la réalité change. Le réel message, passer au-delà, passer à travers ces guérisons, est celui-ci. La réalité change, le monde autour de soi change quand sa fréquence change et que l'alignement avec sa partie divine est mis en place. Le monde n'est pas à comprendre simplement en termes de dualité. La dualité est à un certain niveau, mais au-delà, elle n'est plus. On peut dire que la dualité est une conséquence. La dualité existe à un certain niveau de fréquence. Au-delà, elle n'est plus. Très bien. Est-ce que tu as, donc, Bruno, quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce que nous avons terminé là l'entretien? Des êtres humains continuent à transmettre le message, continuent à entretenir la vie de cet arbre, de cette explosion fréquentielle qu'il a mis en place à un certain moment de l'histoire de l'humanité. Un groupe d'hommes et de femmes garde cette mémoire intacte. Quel est ce groupe?
Est-ce que tu peux en dire plus? Un groupe d'hommes et de femmes continue à diffuser le souvenir de ce qui s'est passé. Les générations humaines passent rapidement et ce groupe continue de maintenir actif cette mémoire, non seulement dans cette partie géographique où il a lui-même exercé de son vivant, mais partout sur le monde, dans le monde terrestre. D'accord. Tu parles de la Westphalie, c'est ça? Oui. Donc, tu veux dire que tu parles d'un groupe SM sur Terre, c'est ça? Oui. Cela permet la continuité de la diffusion de ce qu'il a voulu transmettre au-delà des cas de guérison physique. Oui, ça dépasse de loin la réalité physique. Cela va bien au-delà des guérisons physiques. Très bien. Très bien, je pense que... Est-ce que là, nous avons terminé l'entretien, Bruno? Ou est-ce que tu as autre chose à rajouter? L'essentiel a été transmis. Très bien. Eh bien, au nom de notre collectif humain, nous allons te remercier. Te remercier d'avoir bien voulu nous livrer ces informations et de tout ce que tu es venu faire dans ce monde. Je suppose que tu continues à agir d'une certaine manière, déjà parce que tu as ensemencé. Est-ce que d'autres manières, tu continues à agir sur ce monde, en fait? En plus des ensemencements que tu y as, on va dire, infusés, est-ce que tu as d'autres actions dans ce monde? L'ensemencement sur le plan physique était nécessaire à ce moment-là de l'histoire humaine. L'action continue sur d'autres niveaux. Elle continue et dans ce monde et dans d'autres. Très bien. Eh bien, je pense que nous allons te saluer, te remercier infiniment pour toutes ces précieuses informations au nom de notre collectif humain. Emmanuel. Oui. Voilà, si tu veux bien revenir ici et maintenant. Oui. Comment te sens-tu? Ça va. Très bien. Alors nous allons arrêter là cette séance. Je pense que nous avons eu des informations précieuses en tout cas. Je ne sais pas si il en est d'autres que j'aurais pu demander, mais je pense que pour aujourd'hui c'est suffisant. Donc nous allons procéder au retour. Donc je vais laisser les auditeurs de cette vidéo qui vont prendre connaissance de ce qui s'est passé méditer, réfléchir et peut-être que ça pourra inspirer nombre d'entre nous. En tout cas, c'est fait pour. Donc maintenant, nous allons procéder au retour. Est-ce que tu es prête, Emmanuel? Oui. Alors j'arrête l'enregistrement.